Je m'appelle Héloïse, je suis étudiante au baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis originaire de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Lorsque j'ai eu à choisir mon programme universitaire, j'ai eu envie de voir un peu le nouveau monde et d'être un peu dépaysée. J'avais souvent visité la région du Bas-Saint-Laurent en vacances. J'ai vu que l'UQAR offrait un programme en chimie. C'est vraiment un domaine qui me passionne parce que la discipline étudie vraiment toutes les réactions qui nous entourent. La chimie permet de vraiment mieux comprendre le monde et d'étudier les problématiques environnementales actuelles. Le baccalauréat offre vraiment des cours sur le milieu marin, sur l'atmosphère, sur les bioressources et les grands enjeux environnementaux. Le programme est aussi complété par des stages rémunérés. Je m'appelle Pierre-Olivier Jean, je suis gestionnaire de ressources naturelles chez Premier Tech. Notre équipe s'occupe de la conformité environnementale de nos sites en Amérique du Nord. Dans le cadre de leur stage, les étudiants en chimie peuvent être notamment amenés à participer à la restauration de tourbières à sphingues. J'ai fait présentement un stage chez Premier Tech à Rivière-du-Loup. J'ai le mandat d'effectuer des suivis environnementaux des tourbières. J'échantillonne des tests de pH, je réalise des tests de débit, des prises de mesure de profondeur de tourbières dans l'objectif de restauration. L'été chez nous, c'est une saison qui est très occupée. Avoir des stagiaires dans notre équipe nous permet vraiment de sécuriser notre échantillonnage. Les stagiaires participent aussi à des projets stratégiques. Ils offrent une vision jeune, un œil nouveau, puis leur contribution permet vraiment d'avancer des projets qui, autrement, n'auraient pas pu avancer au courant de l'été. Puis c'est des jeunes professionnels, donc leur avis est vraiment important, vraiment considéré. Les perspectives professionnelles sont très vastes. Les domaines très variés comme la microbiologie, la chimie de l'environnement, les études environnementales, la qualité des sols, les biotechnologies. Il y a plein d'opportunités différentes. Puis c'est pas rare qu'à terme, après le stage, on embauche nos stagiaires. Ce stage ajoute une réelle dimension pratique à ma formation chimie. Je me sens davantage prête à intégrer le marché du travail et à contribuer concrètement à une meilleure gestion de la ressource dans l'avenir.